tout le monde est en train de chuchoter. Ouais, il y a quelque chose. Pourquoi chuchotez-vous? J'ai peur. Lui, t'as peur pour lui? Non, ouais, faut que ça se passe pas. Ça va? Bravo? Soulagé? Ouais. Pierre? Salut! Yeah. Ok! Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle MB14. MB14? Et je suis un robot. Tu viens d'où, MB14? Je viens de Centurion 323. Non, je viens de Amiens, en Picardie. Ouais, c'est un peu ça. Et MB14, c'est ton nom d'artiste, c'est quoi ton nom? Mon prénom, c'est Mohamed. Voilà. Premièrement, c'est probablement un de mes moments préférés dans The Voice, non seulement parce que la performance était superbe, mais aussi parce qu'au même temps, je regardais mon cher ami Florent Pagny, qui était comme perturbé. Je regardais, j'ai dit, mais ils sont combien là maintenant? Ils arrivent à 17 derrière et tout, on va pas s'en sortir. Et là, je te vois tout seul, j'ai dit, merde, il est tout seul, lui, comment il a fait? Ouais, non, c'est très original et très bien exécuté. Mais merci, tellement bien exécuté que, honnêtement, je pensais que vous étiez vraiment beaucoup. Et vous étiez tellement que je me suis dit, non, je m'embarque pas, il y a trop de monde. C'est l'exemple d'un anti-snob. Parce que tu as pu piocher dans la musique classique, dans le hip-hop, dans le beatbox. Je me suis dit, ce mec-là, premièrement, il ose. Deuxièmement, il a du rythme. Et troisièmement, c'est énorme d'entendre quelqu'un qui a une tessiture aussi grande. Même sans la technologie, j'ai entendu quelqu'un qui pourra faire une performance aussi efficace. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. MB, I am your father. What's up? Join me to the voice side of the booth. Ouais, c'est MB14 qui parle. Garo 12. Moi, franchement, je me suis dit, c'est un peu l'arnaque quand même. C'est la super top idée, quoi. Un bon looper. Donc, je me suis dit, attends, soyons vigilants. Pia. Il faut vraiment qu'il m'impressionne de la voix.
mais tu le fais, ta voix est intéressante, ton intention est intéressante, ta manipulation est formidable, et je me veux dans ton équipe. Merci. Bonsoir MB14. Bonsoir. Ici ZZ92. C'est ça. Toi déjà, t'es joueur, donc ça, ça me plaît. Et puis alors après, quand même, le... C'est quand même juste une, il est d'une justesse totale ce qu'il a fait là, le... Voilà, ça, ça... Donc on a les petits chanteurs à la croix de bois. Tu vois, après tu nous fais donc de human beatbox juste et parfait quoi. Ça m'intéresse. Merci. Mais alors attends, je voudrais pas être complètement idiot. Vous saviez tous qu'il était tout seul? Ouais. Oui. Ah non. Autant pour moi. Moi, je suis pas habitué à tous ces trucs, moi, tu sais. Mais je pense qu'il avait, il connaît peut-être pas le boucleur. Non, tel boucleur, il connaît pas. Ah, ouais, bah, il pensait que c'était le cœur de l'armée rouge ou un truc comme ça, ils arrivaient à 17. C'est pour ça que j'ai pris une pause. Tu recules un an, tu vois, tu prends une pause d'un an. Et tu comprends des choses. C'est cool parce que tu peux nous faire des trucs hallucinants si on se donne la chance, quoi. Mais j'espère. Avec la bonne personne. Ouais. MB14, il va falloir prendre une décision. Moi, j'ai besoin de beaucoup de liberté, de me sentir épanoui, de laisser ma créativité voguer sur les flots de la musique. Pardon. Donc, du coup, je vais prendre Zazie. Yes. C'est bien. Ha ha ha.